Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Hayastani Hanrapetutyan Ankakhutyan Hrchakman Massin. Havatarim Mnalov Hayastani Ankakhutyan Massin Hrchakagrin Henvelov Martu Iravunkneri Եվ ազատ ինքնորոշման միջազգային նորմերի վրա նպատակ ունենալով ստեղծել ժողովրդավարական իրավական հասարակարգ հիմք ընդունելով 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու մասին անցկացված հանրաքվեի արդյունքները Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։ Bonjour et bienvenue à Carte sur table. Nous sommes le 21 septembre 1991 et si l'Assemblée nationale arménienne choisit parmi les députés pour proclamer la déclaration d'indépendance Aram Manoukian, l'homonyme du fondateur de la République indépendante de 1918, c'est plus qu'un symbole. Il est là pour démontrer que la nouvelle ère qui s'ouvre, la nouvelle République d'Arménie, est la continuité de celle de 1918, avec son drapeau rouge, bleu, orange, son hymne Merayrénique, le chant des partisans de la révolte de Van et des combattants de Sardarabad, dont la légitimité ne souffre d'aucune contestation. Le 21 septembre 1991, c'est une onde de choc qui se répand en Arménie, mais aussi en diaspora. Après 70 ans de domination soviétique, après 3 ans de guerre en Artsakh et alors que les bombes tombent toujours sur Stepanakert, 3 ans après le tremblement de terre, le peuple arménien fait le choix de vivre libre et dans l'indépendance. Le 21 septembre est un jour historique car le peuple arménien retrouve sa terre, une terre, certes incomplète mais la sienne. C'est un jour de joie, devenu fête nationale, qui nous rend chaque année fiers d'être une part de cette nation, la nation arménienne. Pour évoquer l'indépendance de l'Arménie et aussi celle de l'Artsakh, nous allons recevoir ce matin son Excellence l'ambassadrice d'Arménie en France, Asmik Tolmadjian, ainsi que le représentant de la République d'Artsakh, Ovanes Kevorkian, et le coprésident du CCAF et membre du bureau mondial de la FAT à Chouksoun, Mourad Papazian. Bonjour. Messieurs, bonjour. Bonjour. Autre conséquence de l'indépendance, c'est le développement des relations parlementaires entre la France, l'Arménie et l'Artsakh, et nous pourrons en parler avec nos invités, ainsi qu'avec les parlementaires qui viennent de rentrer d'une visite de solidarité en Artsakh, les députés Guy Tessier, Valérie Boyer, Daniel Kazarian, Guillaume Kasparian et le sénateur Pierre Ouzoulias. Et puis, hier à Grenoble, le conseil départemental de l'Isère et son président Jean-Pierre Barbier a signé une nouvelle charte d'amitié avec la région de Hadrout. Nous reviendrons sur cet événement et le contexte dans lequel il se déroule avec le vice-président du conseil départemental de l'Isère, Patrick Curteau. Mais tout d'abord, donc, votre excellence, son excellence, madame l'ambassadrice d'Arménie en France, Asmik Tolmadjian, merci d'être parmi nous. Parece ser aquele que espanoui. Barede. I saw que san mekt segdemperenk, inch que nashanagit se ziamar ayastani angahutyan don. Բարի լույս եւ շնորհակալություն սիրելի հարուստ։ Շնորհակալ եմ Այբեֆեմին այս հաղորդման եւ պատմական այս ուղիղ պահերը կրկին ապրելու համար։
ցանկանայի ջերմորեն ողջունել նաև Radio IP-ի աղավարում այսօր հյուրընկալված Հովհաննես Գևորգյանին եւ Մուրադ Փափազյանին եւ ի սրտե շնորհավորում եմ բոլոր ընկերներին Հայաստանի անկախության օրվա արդիվ։ Ուղիղ 28 տարի առաջ այո այսօրը Հայաստանը հրճակեց իր անկախ ինքնիշխան պետություն ստեղծելու իր կամքը, որը մեր ժողովրդի մի քանի սերունդների իղձի իրականացումն էր։ Անկախության հրճակմամբ հայ ժողովուրդը 20-րդ դարում երկրորդ անգամ ձեռք էր բերում իր ապագան ինքնուրույն կերտելու, իր ազգային իղձերին հետամուտ լինելու հնարավորություն։ Իդեպ անկախացմամբ շարունակվում էր հայոց պետականության այն կարևոր գործը, պետականության շինարարության, որը 1918 թվականին սկսել էին մեր առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերը։ Իճառած սիրելի հարուստ Արամ Մանուկյանի կողմից անկախության հռչակագրի ընթերցումը ևս ցույց տվեց, որ այն սերտ կապը, որը կար մեր երկու հանրապետությունների միջև։ Կցանկանայի հիշեցնել նաև, որ անկախության համար ողջ պայքարը ընդանում էր առաջին հանրապետության պետական խորհրդանիշների, զինանշանի, հայոց երագույնի եւ մեր հայրենի կոչների ուղեկցությամբ։ Շնորհակալություն արքելի տեսանուի 28 տարի վերջ ինչպես պիտի դոնվի Հայաստանի ասկային օրը ֆրանսայի մեջ։ Հայաստանի անկախության օրվա արդիվ Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում կազմակերպվում են մի քանի տասնյակ միջոցառումներ։ Շնորհակալ ենք բոլոր այն տեղական իշխանություններին, որ հյուրընկալում են այդ միջոցառումները եւ իրենց մասնակցությամբ պատվում Հայաստանի օրը։ Հայաստանի դեսպանության կողմից ավանդաբար դիվանագիտական կարգին համապատասխան սեպտեմբերի 24-ին կկազմակերպվի պաշտոնական ընդունելություն։ Դրան ներկա կգտնվեն Ֆրանսիայի կառավարության ներկայացուցիչները, ազգային ժողովի, սենատի պատգամավորներ, բազմաթիվ դեսպաններ, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, քաղաքապետներ, ինչպես նաև անշուշտ հայկական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Անկախության տոնի նշումը, ինչպես այլ քաղաքներում, բայց հատկապես նաև Հայաստանի դեսպանության կողմից կազմակերպված պաշտոնական միջոցառման ընդունելության ընթացքում, նորից խորհրդանշական առիթ է խոսելու մեր անկախության, մեր պետության, ինչպես նաև հայ-ֆրանսիական բարեկամության մասին։ Շնորհակալություն։ Այսօր Հայաստանի անկախ պետություն մնե, բայց անկախություն գիտենք, որ դժվար պայման մնե բայելու համար, ինչ ունի կնելու տեր, որ Հայաստանի անկախությունը զորանա։ Իրավացի եք հարույթ, անշուշտ անկախության այս 28 տարիները լեցուն են եղել բազմաթիվ դժվարություններով, բազմաթիվ մաքարումներով, բայց չպետք է մոռանանք նաև, որ դրանք եղել են նախ եւ առաջ հույսի, հերոսական պայքարի եւ միասնական հաղթանակների տարիներ։ Որևէ պետություն դյուրությամբ չի անցնում անկախության օրին։ Ուղին, եթե անկախության ձեռքբերումը եւ պահպանումը այդքան հեշտ լիներ, մեր ժողովուրդը իր 3000-ամյա պատմության շատ գալի մասը չէր անցկացնի օտար կայսրությունների կազմում։ Եվ եթե այսօրվա դժվարությունները որոշ առմամբ մեր պետականության կայացման գինն են, ապա հաղթանակները վստահաբար բացառապես եղել են մեր անկախ պետականության եւ Հայաստան Արցախ Սփյուռք Երամիածության շնորհիվ։ Այսօր էլ հայկական երկու պետություններից բաղկացած մեր հայրենիքի արչիվ ծառացած մարտահրավերները բազում են։ Դրանք դիմագրավելու, ուժեղ ժողովրդավար զարգացած պետություն կառուցելու, ինչպես նաև Արցախի ազատությունը, անպարտելիություն ապահովելու միջոցը մեկն է՝ մեր միասնականությունը, մեր հավաքական ջանքերի համախմբումը։ Հայաստանը այսօր առավել քան երբևէ ժողովրդավարական փոփոխությունների այս կարևոր շրջանում ևս կարիք ունի Սփյուռքի աջակցության եւ մասնակցության։ Եվ առիթից օգտվելով ցանկանում եմ իմ անկեղծ երախտագիտությունը հայտնել բոլորին, ովքեր Հայաստանի Արցախի կողքին են, ովքեր իրենց նպաստն են բերում Ֆրանսիայում Հայաստանի եւ Արցախի առավել ճանաչմանը, մեր հայրենիքի բարեկամների թվի շատացմանը, հայ եւ ֆրանսիացի ժողովրդների մեծ բարեկամության ամրապնդմանը։ Շատ շնորհակալ եմ Ասմիկ Տոլմաջան, շատ ուրախ եմ, որ ձեր խոսքը փոխանցեցիք IPFM-ի այսօր, գարձեմ շուտով պիտի դեսնվինք, և գիտեմ, որ շատ ու սպարված եք այսօր, և ձեզի գծեքենք ամպորջ ձեր աշխատանքներում մեջ։ Շնորհակալություն նորից հրավերի խոսքը ընձեռելու հնարավորության համար, և նորից շատ ջերմորեն կցանկանամ շնորհավորել բոլորին անկախության տոնի արդիվ և մաղթել մեզ բոլորիս նոր միասնական հաջողություններ և հաղթանակներ։ Լավ հաղորդում եմ մաղթում ձեզ և հաջողություն ձեր բոլոր գործերում։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն ձեզի։
Mourad Papazian, alors avant de parler de l'Artsakh qui va nous préoccuper, quelques mots sur cette indépendance de l'Arménie. Ça a été un très long combat pour la FR Attachin Ksutyun. Oui, nous avons été pendant toute la période soviétique porteurs de cette idée d'indépendance, puisque comme tout le monde le sait désormais, le Attachin Ksutyun a été au sein du peuple arménien un acteur majeur et un acteur dirigeant de la première république indépendante d'Arménie de 1918 à 1920, qui s'est déroulée en plein génocide en réalité. Et il a fallu à ce moment-là prendre ses responsabilités, accepter de diriger cette république d'Arménie s'est créée le 28 mai 1918 pour s'achever fin novembre, début décembre 1920 et pour connaître un nouveau sursaut à l'occasion de la révolte du 18 février 1921 lorsque le peuple s'est soulevé contre l'occupant soviétique. En réalité, l'occupant soviétique restera 70 ans donc en Arménie, a inféodé le peuple arménien, et pendant ces 70 années, l'Attachin Ksutyun s'est attaché à faire vivre l'idée d'indépendance, non pas seulement comme marqueur de 1918-1920, mais comme projet d'avenir, car pour l'Attachin Ksutyun, l'indépendance du peuple arménien était un projet d'avenir, et nous ne pouvions pas nous résoudre à rester sous la domination soviétique. Nous ne faisions pas l'unanimité au sein du peuple arménien et de la diaspora arménienne, mais nous avons été un des acteurs majeurs qui a permis de garder dans l'esprit du peuple arménien vivant, réaliste, l'idée d'indépendance. On a été traité de rêveurs. Effectivement, le rêve a toujours été le moteur de la lutte, et si nous n'avions pas été rêveurs, nous n'aurions pas pu concevoir libérer également le Karabakh du joug de l'Azerbaïdjan. Donc en réalité, nous partons des intérêts du peuple arménien et nous trouvons les moyens pour permettre au peuple arménien d'aboutir à ses objectifs. Merci. Ovanes Kevorkian, vous représentez la République d'Artsakh, mais quel est votre sentiment, quel est votre ressenti par rapport à cette journée qui intervient à quelques semaines après la fête nationale, le jour de l'indépendance de l'Artsakh? À mon tour, merci beaucoup Alot, à mon tour je voudrais nous féliciter à cette belle occasion, 28e anniversaire de l'indépendance de la République d'Arménie. L'indépendance de l'Arménie, dans mon esprit, a triple signification. Premièrement, c'était pour les Artsakhiotes, notamment, une question de sécurité. L'Arménie qui n'aurait pas acquis son indépendance ne pouvait pas être aussi présente aux côtés des Artsakhiotes, sauver simplement les Arméniens d'Artsakh de cette menace d'extermination. L'indépendance aussi, c'est un espoir, une mobilisation autour d'un projet commun que tous les Arméniens, ceux et celles qui se considèrent comme Arméniens, partagent. Mais l'indépendance est aussi une responsabilité, parce que notre destin est désormais dans nos mains. Et donc, nos victoires, nous sommes les bénéficiaires directs, mais nos faux pas aussi seront quasiment imputés à nous-mêmes. Donc, l'indépendance, une grande responsabilité pour les années à venir aussi. Alors, justement, peut-être une réaction à tous les deux. Au mois d'octobre, au mois d'août, le 5 août, quand le Premier ministre Nikol Pachinian à Stepanakert affirme l'Artsakh, c'est l'Arménie, point final, je pense que c'est à la fois un grand encouragement, mais quel est votre sentiment sur cette union entre les deux pays, entre les deux nations pour constituer, faire vivre cette indépendance, Mourad Papazian?
En réalité, bien sûr que l'Artsakh, c'est l'Arménie, ça fait partie du projet de l'Arménie libre, indépendante et réunifiée que nous portons depuis 1918 comme revendication principale du peuple arménien, bien sûr. C'est-à-dire que lorsque les manifestants en 1988 à Stepanakert criaient « Miyatsoum » et lorsqu'ils ont été entendus par le peuple d'Arménie et par tout le peuple arménien en diaspora, où des dizaines et des dizaines et des dizaines de manifestations se sont organisées en solidarité au peuple d'Artsakh, c'est pour la réunification de l'Artsakh à l'Arménie. Et en réalité, l'objectif final, c'est que l'Artsakh, à un moment donné, soit réunifié avec l'Arménie. Donc, évidemment, c'est l'objectif de tout le peuple arménien qu'à un moment donné, ces territoires soient réunifiés et que le peuple arménien puisse vivre dans l'ensemble de ces territoires historiques, libres et indépendants, effectivement. Donc, je pense qu'il est, bon que Nicole Pachinian ait lancé ce message, qui est un message qui concerne tout le peuple arménien, la nation arménienne. C'est important de dire que l'Arménie a toujours porté l'Artsakh en réalité, et que l'Artsakh se considère comme l'Arménie. Alors, justement, dans l'établissement de l'indépendance, il est important que des officiels, des élus, des parlementaires se rendent également au contact de la population pour comprendre la réalité. Vous rentrez au Vanes Kevorkian d'une visite parlementaire avec un certain nombre d'élus. Cette délégation parlementaire a été conduite par le président du cercle d'amitié France Artsakh, Guy Tessier, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous ce matin, mais dont nous avons enregistré une interview hier par Henri Papazian, et je vous propose de l'écouter. Monsieur Guy Tessier, bonjour. Bonjour Monsieur Papazian. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône et président du cercle d'amitié France Artsakh, composé de parlementaires français, députés et sénateurs. Vous avez conduit la semaine dernière une délégation de parlementaires composée de députés Valérie Boyer, Daniel Kazarian, Jean-Pierre Cubert-Tafon, Guillaume Kasparian, Mohamed Lakhila, ainsi que du sénateur Pierre Ouzilias. Vous y avez rencontré des responsables de la République d'Artsakh, au premier rang desquels on peut citer le président Bako Saakian, le ministre des Affaires étrangères Massi Ismaïlian, et Achod Roulian, le président de l'Assemblée nationale. Pourriez-vous nous rappeler ce qui a motivé ce voyage en Artsakh? Oui, bien sûr. Avec même un grand plaisir. Je considère, déjà depuis longtemps, parce que j'appartiens à un groupe d'amitié parlementaire France-Arménie aussi, depuis maintenant 26 ou 27 ans, et je l'ai co-présidé pendant longtemps, et j'en suis toujours d'ailleurs le secrétaire général. Mais je considère que, très curieusement, dans notre monde, il y a des conflits gelés, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, sur lesquels les lumières de l'actualité se posent. Je pense à la Bosnie, je pense à Chypre, je pense à Taïwan et au Sahara marocain, etc., etc. Puis il y a des conflits qui sont cachés, on n'en parle pas, on dit rien, on a presque l'impression qu'on les camoufle. Et c'est, je trouve, le cas pour l'Artsakh. Donc, il était, je pense, nécessaire, indispensable, que les parlementaires qui, pour la plupart, qui étaient dans ma délégation et qui, pour la plupart, n'étaient jamais venus à l'Artsakh, et je voudrais aussi préciser qu'il y avait toutes les sensibilités, hein, qui allaient du Parti communiste aux Républicains, en passant par le MoDem et par la REM. Donc, tout le palette des possibles politiques était à peu près là. Et donc, j'ai pensé qu'il était bon d'aller à la rencontre des gens. Bien sûr, vous l'avez énoncé, le président de la République, la ministre de l'Éducation, le président de l'Assemblée nationale, etc., etc. Mais rien ne vaut pour se faire une idée conforme à la réalité d'aller à la rencontre des gens et de rencontrer le peuple. Donc cette démarche nous a amené, si vous voulez, à rencontrer à la fois des viticulteurs, d'aller dans un lycée professionnel où d'ailleurs la France est intervenue. Je suis allé, puisque j'ai permis
Et j'en suis très heureux. L'adduction d'eau de trois petits villages autour de Stepanakert et depuis quelques mois, eh bien l'eau coule au robinet de tous ces villages. Et donc là, j'ai rencontré la population, le maire en premier chef, etc. On est allé au centre Tumo. Donc je vous l'ai dit, on a visité le lycée professionnel de Yesnik Mossian qui se trouve à Chouchi. Bref, on a fait beaucoup de visites. On est allé au centre Paul Éluard. Bref, on a rencontré ce qu'on peut appeler le pays réel. Et donc on a rencontré des hommes et des femmes heureux de vivre sur leur terre, qui souhaiteraient de tout leur cœur pouvoir vivre à l'intérieur d'un pays dont les frontières soient sûres et qu'elles soient reconnues. Et ils ne rêvent que de paix. Il n'y a pas d'animosité flagrante à l'égard du grand pays voisin. Et donc, tous les gens, y compris, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai rencontré un chef de corps, un colonel qui commande un régiment. Lui aussi nous a tenu, tout soldat qu'il était, un discours de paix. Mais il est bien évident que ce que j'ai qualifié d'Alsace-Lorraine pour les Arméniens de l'Artsakh, eh bien, fait que tous ces gens qui tiennent ce discours pacifique, pour beaucoup, tous ces gens sont prêts à mourir pour vivre en paix sur cette terre. Effectivement, c'est l'image que l'on en a. Monsieur Tessier, vous y avez tenu des propos... Ah, je ne vous entends plus. Ah, excusez-moi. Vous y avez tenu des propos extrêmement forts et sans ambiguïté, je pense, notamment concernant la situation de l'Artsakh et son avenir, et notamment sa reconnaissance internationale. Vous confirmez bien entendu ces propos, et comment les justifiez-vous ? Je les justifie d'une manière très simple, c'est que quand on remonte dans l'histoire et qu'on s'aperçoit que, en fait, nous héritons du triste... passé de l'Union soviétique qui avait pris, notamment Staline, un soin particulier à démanteler, à dépecer, je dirais, les États-nations tels qu'ils étaient dans le passé, et qui avait raccroché cette partie d'Arménie, car tout témoigne de la présence des Arméniens depuis des siècles sur ce territoire, de le raccrocher à l'Azerbaïdjan. Donc je pense qu'aujourd'hui... ce territoire souhaite recouvrer son identité, ne peut le faire qu'à partir d'un référendum. Il faut que le peuple d'Artsakh se détermine, mais ça, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, la communauté internationale le lui refuse. Et d'autre part, moi, je suis très heureux et très fier que notre pays, la France, participe aux accords de Minsk, mais d'un autre côté, je trouve qu'il est quand même curieux de tenir l'Artsakh à l'écart de tout dialogue. Comment peut-on discuter de la paix d'un pays qui aujourd'hui est encore dans une situation de cessez-le-feu qui n'est pas entré dans la paix, alors que ce pays donc continue à être menacé? Comment ne pas comprendre que l'Artsakh ne soit pas présente à la table des négociations? Oui. Et c'est donc aussi un témoignage. Et lorsque nous avons rencontré en Arménie, à notre retour, le nouveau Premier ministre, Monsieur Nicole Pachinian, il s'est exprimé d'une manière très claire, et je sais, parce que je l'ai entendu dire, c'était pas simplement qu'une posture, quoi. Je sais que c'est sa ligne de conduite, il ne veut pas. Il dit, mais je ne peux pas négocier, moi, pour l'Artsakh. Je ne suis pas mandaté. Moi, je suis élu par les Arméniens d'Arménie. Oui. Je ne suis pas élu par les gens de l'Artsakh. Effectivement, et donc, je n'ai pas à faire de l'ingérence, en quelque sorte, dans la politique de ce territoire. Oui. Effectivement, c'est le discours qu'il tient en permanence, ça fait partie de son credo. Cela dit, vous parliez de l'autodétermination du peuple d'Artsakh, celui-ci, me semble-t-il, s'était prononcé, mais on parle peut-être pas de la même chose, voici donc au tout début de son indépendance, à la fin des années 80 et au début des années 90. Mmh. Et donc,
Vous, quand vous parliez de l'autodétermination ou du référendum, vous parlez du référendum dans le cadre de la reconnaissance internationale, j'imagine. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Bien sûr. Non, mais pour qu'ils se déterminent sur leur propre avenir, en disant voilà, nous souhaitons, nous voulons notre indépendance, et il fallait, et donc la réponse était oui ou non, quoi. Hein, voilà, c'était de telle manière que la manière la plus démocratique pour les peuples, c'est de se déterminer eux-mêmes, hein, pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent. Alors, le ministre des Affaires étrangères d'Artsakh, Monsieur Abbas Ismaïlian, a souligné l'importance du cercle d'amitié France-Artsakh, le cercle d'amitié que vous présidez, et notamment, il a évoqué le rôle que ce dernier pourrait jouer dans le développement de la diplomatie parlementaire et de la coopération décentralisée entre les deux pays, c'est-à-dire la France et l'Artsakh. Pensez-vous que ce souhait pourrait se réaliser, compte tenu de la politique de la France, dont on voit les sanctions que le ministère des Affaires étrangères inflige aux municipalités françaises lorsqu'elles signent des chartes d'amitié avec des communes d'Artsakh? Et que pensez-vous de cette position du gouvernement de la France? Bon, écoutez, d'abord, moi, je veux dire que ce déplacement, il n'était pas du tout placé sous le signe de la provocation. Ce que je crois. Bien entendu, mais ma question n'est pas provocatrice. Non, mais pas du tout. Non, mais je dis ça pour les auditeurs, quoi. Hein. Donc, et par rapport à notre pays, et par rapport à son gouvernement, d'ailleurs. La conviction que nous avons, ceux qui sont les amis de l'Artsakh depuis bien longtemps, hein, d'ailleurs, moi j'avais souhaité qu'on ait une délégation qui soit constituée d'une majorité de gens qui n'y étaient jamais venus. Hein. Bon, mais c'est parce que nous avons une conviction forte et que nous voulons, si vous voulez, témoigner auprès du gouvernement qu'on ne veut pas résoudre ce conflit, dans le mépris des parties signataires du cessez-le-feu. Et donc, je pense que il est important que des parlementaires français témoignent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu et de ce à quoi ils croient. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés là-bas. Et d'ailleurs, je trouve, si vous voulez, que le sens de notre déplacement, compte tenu de l'aide que nous devons les uns et les autres, pas seulement la France, mais que nous devons apporter à ce petit pays, bon, il y a beaucoup de choses hein, qui ont été faites, mais qui en a terriblement besoin, c'est plus un voyage que je dirais qui est placé sous le signe de l'humanitaire et de l'humanité que toute autre chose. Et je voudrais faire comprendre ça au président de la République, au ministre des Affaires étrangères français, pour leur dire voilà, vous pouvez pas tourner le dos, vous pouvez pas abandonner ce pays. Il en va aussi là, dans ce petit pays du Sud-Caucase, de l'honneur de la France. Oui, effectivement. Autre question, le Conseil départemental de l'Isère va s'engager dans la signature d'une charte d'amitié avec la région d'Adrout. C'est tout à fait exact, oui. C'est une décision courageuse, compte tenu du contexte. Absolument. Pensez-vous qu'il soit également susceptible d'être frappé des mêmes sanctions que les villes d'Arnouville, Bourg-de-Péage, Décines, Valence et Bourg-les-Valences, qui sont interpellées par les tribunaux administratifs de la région? Je le crains, mais je trouve ça courageux, et je trouve qu'il est bon que nous ayons dans ce pays de France des gens qui se sentent libres de choisir leurs amis. Voilà. On peut pas vous empêcher, on peut pas m'empêcher aujourd'hui de choisir les gens que j'ai envie d'aider, que j'ai envie d'aimer. Oui. Voilà. Et donc je trouve que c'est bien qu'il y a encore des témoins, mais j'ai réfléchi à d'autres formes de solidarité dont je vous parlerai une prochaine occasion, qui en même temps soutiennent les maires qui ont été poursuivis et puis solidarise un peu plus la communauté nationale, en même temps que de lui faire connaître ce conflit qui se passe en Artsakh, au moyen de manifestations
tout à fait pacifique et même tout à fait festive, je dirais. Mais je vous en reparlerai. Avec plaisir. Autre témoignage de courage, c'est celui de tous les parlementaires qui se sont engagés avec vous dans ce voyage en Artsakh, parce que, conformément aux menaces proférées par Bakou, l'ensemble de ces personnalités devront donc être portées sur la blacklist de l'Azerbaïdjan. Qu'en pensez-vous de ce comportement ? Bah, écoutez, je pense d'abord, les gens qui ont du courage, ce sont les gens qui se battent pour vivre en paix dans un territoire qui est le leur. C'est eux qui, tous les jours, font preuve de courage. Nous, ce que nous faisons, nous sommes des témoins de cette situation et nous voulons encore une fois en témoigner et le faire savoir. Et merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur votre antenne. Voilà, maintenant, moi, vous savez, c'est la deuxième fois que je serai blacklisté. C'est presque comme des décorations qu'on accroche au revers de ma veste. Donc ça ne me gêne pas du tout. Parce que, si vous voulez, notre démarche est une démarche de bonne foi et de conviction. Voilà. Et dans ce domaine, rien ne saurait m'émouvoir. Merci, Monsieur Tessier, pour votre intervention. C'était donc Guy Tessier, le président du Cercle d'amitié France Artsakh. Alors, Mourad Papazian, Guy Tessier évoque la présence de l'Artsakh à la table des négociations. C'est une vieille revendication de la FRATH Naksutyun. Rappelons que l'Artsakh a été à un moment donné à la table des négociations et aujourd'hui, il est plus que jamais indispensable que les principaux acteurs, les principaux concernés reviennent à la table des négociations. Malheureusement, l'Azerbaïdjan fait preuve d'un refus absolu qui ne participe pas à une volonté de résolution du conflit en réalité. Et il serait bon effectivement que les trois coprésidents du groupe de Minsk prennent conscience, et en particulier je fais allusion à la coprésidence française, parce que on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a un parti pris, nous considérons que le gouvernement français est sorti de sa neutralité avec les attaques contre les maires qui ont signé des chartes et les déférer devant les tribunaux administratifs, c'est une véritable honte. Et deuxièmement, le fait de vendre des armes aujourd'hui à l'Azerbaïdjan montre également qu'il y a un véritable parti pris du gouvernement français que nous avons déjà dénoncé à plusieurs reprises et qui nous révolte aujourd'hui véritablement. Oui, alors Ovanes Kevorkian, vous travaillez, la représentation du Khalabar travaille avec le cercle d'amitié dont on vient d'entendre le président. Quelles sont justement ces relations? Le cercle est une entité à part de la République de Khalabar. Le cercle d'amitié France-Artsakh, désormais, depuis que le Karabakh est devenu Artsakh, regroupe une soixantaine de parlementaires, maires, élus français, qui ont un mandat actuellement ou anciennement. Et ce cercle est en quelque sorte suit de près l'évolution et l'actualité autour d'Artsakh, organise des visites au Karabakh. Là, par exemple, cette visite des 7 parlementaires intervient après l'appel lancé par les 2 coprésidents du CCF au mois de février dernier. Et donc, ces visites vont continuer, permettent aussi à tous ceux qui se rendent dans notre pays apporter un soutien moral et un sentiment de sécurité, parce que quand il y a des visites des parlementaires dans notre pays étranger, de plus venant d'un pays, un grand pays comme la France, nous, les Artsakhiotes, nous pouvons dire on ne nous a pas oubliés. Et ça, vous n'imaginez pas le sentiment de sécurité que cela peut susciter. Alors, nous avons justement une députée membre de cette délégation en ligne, la députée du Rhône de la région de Décines, Mézieux, Daniel Kazarian. Daniel Kazarian, bonjour. Bonjour à tous. Daniel Kazarian, en tant que députée, c'était votre première visite, votre premier déplacement en Artsakh. Quels enseignements retirez-vous de cette visite ? Tout d'abord, je tiens à dire que effectivement, ce premier voyage en Artsakh a été un voyage très fort. Très fort au niveau des rencontres qu'on a pu nouer sur place, mais aussi, bien évidemment, étant, comme vous le savez, d'origine arménienne, très fort en termes d'émotion.
Ce voyage, je l'attendais depuis des années. Je remercie d'ailleurs le cercle d'amitié de m'avoir convié et j'ai pu donc intégrer cette délégation de parlementaires. C'était important pour moi d'aller sur place, de pouvoir échanger, de pouvoir écouter et de me rendre compte quelle était la situation des Arsakiotes actuellement. Je dois dire, pour faire écho à ce que disait M. Ovanes Kevorkian à l'instant, que je me suis sentie particulièrement bien en Artsakh et très en sécurité. Maintenant, il est vrai que nous avons beaucoup échangé avec les politiques en place, avec la population, et je pense que cette population fait preuve d'un grand courage, car au-delà de la guerre, au-delà des difficultés et de l'isolement du pays qu'ils vivent au quotidien, il y a une très forte détermination dans la population pour aller de l'avant. Et cette détermination, cette rage de vivre, on la ressent à chaque instant, à chacune de nos rencontres. Alors justement, vous êtes membre de la commission de l'éducation à l'Assemblée nationale. Lors de ce voyage, vous avez pu visiter le centre Thumo de Stepanakert, mais aussi l'école professionnelle Yezhik Mosian. Et puis, vous avez partagé sur votre page Facebook votre visite à la maternelle Sossé Maïrig, qui est financée par le HOME, c'est-à-dire la Croix-Bleue en France. On sait la qualité de l'éducation permet de maintenir les populations en place. Avez-vous eu ce sentiment en visitant l'Artsakh? Tout à fait, tout à fait. Il y a une volonté, et puisqu'on parle d'éducation, moi je voudrais dire que j'ai fait une très belle rencontre avec la ministre de l'éducation, Madame Narine Agbalian, qui est une femme courageuse, qui a vraiment le désir de former au mieux toute cette jeunesse. Alors, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de visiter le centre à Chouchi. Ce centre est très important, ce centre professionnel est très important parce qu'en fait, les jeunes sont formés aux métiers de demain qui pourront apporter une réelle plus-value à l'économie de l'Artsakh dans le futur. Les jeunes sont formés à des métiers notamment touchant tout ce qui touche à l'hydroélectrique, sachant que l'Artsakh est complètement autonome en termes énergétiques et revend même de l'électricité à l'Arménie. Donc c'est vous dire combien il y a une dynamique économique qui est en place, il y a une croissance économique, et cela passe aussi en amont par la formation de la jeunesse. Pour ce qui est du jardin d'enfants Sossé Maïrig, c'est une très belle réalisation du HOME. C'était important pour moi, en étant en Artsakh, de pouvoir découvrir ce jardin d'enfants dont j'avais beaucoup entendu parler. C'est une très belle réalisation. Les enfants, ils sont vraiment épanouis, heureux, choyés, aimés. Et je dois dire que ça a été un grand moment d'émotion que j'ai partagé avec ma collègue Valérie Boyer. Maintenant, d'une façon plus générale, moi je voudrais quand même marquer un point important. Toute la jeunesse avec laquelle nous avons pu échanger, que ce soit les tout-petits, que ce soit les adolescents, que ce soit les plus grands, ils se forment tous aux Français et à la culture française. La francophilie et la francophonie est omniprésente sur le territoire de l'Artsakh. On a eu l'occasion d'assister à un très beau spectacle avec des déclamations de poèmes en français, des chansons en français et bien évidemment aussi des chants et des danses arméniennes. Mais ça a été vraiment une agréable surprise de voir combien cette jeunesse est désireuse de s'approprier la culture et la langue française, et ça, c'est vraiment, c'est une énergie du quotidien, et Madame la Ministre de l'Éducation en fait une priorité. Daniel Kazarian, j'ai en studio, en face de moi, Mourad Papazian, qui souhaiterait vous poser une question. Bonjour Mourad Papazian. Bonjour Daniel. D'abord, je voulais vous dire qu'on est particulièrement fiers de ton élection il y a 2 ans et demi.
puisque nous, je voudrais rappeler que tu es issu du milieu associatif arménien, qu'on a grandi ensemble et que tu as joué un rôle extrêmement actif dans la création et le développement du CNMA, le Centre National de la Mémoire Arménienne, et le fait qu'une personnalité de la vie associative franco-arménienne ait été élue députée à l'Assemblée nationale, c'est une fierté pour toute la communauté arménienne de France. Donc ça, c'est le, je voulais faire ce préambule. Ce que je voulais savoir, c'est, Daniel, tu as été élu sous l'étiquette La République en marche, donc tu es proche aujourd'hui du gouvernement. Après cette visite en Artsakh, as-tu pour projet de faire un rapport, de sensibiliser effectivement le gouvernement, notamment sur le point que tu viens de souligner, c'est celui de la francophilie et de l'importance de la France pour le peuple et la jeunesse de l'Artsakh? Merci, cher Moulad, pour tes propos. Il est vrai que mon passé de militante, que tout ce que j'ai pu vivre en amont du temps de ma jeunesse et même après, lorsque j'ai eu la responsabilité du Centre National de la Mémoire Arménienne, ont été des éléments très importants dans ma construction personnelle, dans la construction de cette double identité que j'assume au quotidien et qui s'enrichit mutuellement. Et je dois dire que aussi que ce travail au sein du Centre de la Mémoire m'a doublement motivée, car je me suis rendu compte de l'enjeu que nous avions tous, que ce soit en diaspora, partout dans le monde, à transmettre non seulement la mémoire arménienne, sa culture, son identité. Ça, c'est déjà un premier point, et c'est ça qui a été l'élément déclencheur de mon engagement en politique. Pouvoir, bien évidemment, travailler au service de la nation française, mais pouvoir aussi interpeller quand cela est nécessaire sur l'Arménie et l'Artsakh. Pour ma part, je tiens aussi à dire que bien sûr que je vais être le relais de cet élan à la fois francophile et francophone qu'on a pu d'ailleurs percevoir et vivre en direct l'an dernier, puisqu'en octobre dernier se tenait à Yerevan le sommet de la francophonie. Ça a été un sommet qui s'est parfaitement bien passé, qui a eu une visibilité à l'international. Donc nul doute que pour tout le monde, il est acquis aujourd'hui que l'Arménie et l'Artsakh, qui ne font qu'un d'ailleurs, sont très attachés à la langue française, à la culture française. Moi, je voudrais aussi, cher Mourad, aller un petit peu plus loin dans ma réflexion pour parler justement de cette relation d'amitié très forte, de ces liens qui existent depuis des décennies et des décennies entre l'Arménie et la France. Ces liens, monsieur le président de l'Artsakh en a parlé spontanément. Il en a parlé spontanément et il a dit que, comme dans toute amitié, il pouvait y avoir parfois des déceptions, des tensions, mais qu'il restait très confiant dans l'évolution de cette amitié et, si je puis dire, la force qui l'anime depuis toutes ces années. Ça, c'était important de relayer ce message. Nous l'avons entendu aussi, ce message, de la part de bon nombre de ministres. Aujourd'hui, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets. Moi, je suis, en tant que première députée franco-arménienne, inquiète de l'annulation en cascade du charte d'amitié. Je tenais à le mentionner dans cette interview. Je suis directement concernée, comme ça a été rappelé tout à l'heure. J'ai sur ma circonscription la ville de Dessine, qui a signé une charte d'amitié avec la ville de Charta. Cette charte avait été signée, si ma mémoire est bonne, en 2017, en septembre 2017, et cette charte d'amitié a été annulée au mois, courant de ce mois, puisque nous sommes encore au mois de septembre.
le tribunal administratif a rendu son jugement et la ville de Décines a fait appel de ce jugement. Voilà, donc je tiens à dire que les chartes d'amitié ont été au cœur de nos discussions à maintes reprises et que je pense que l'amitié entre nos deux peuples, ce lien, cette force qui nous unit, doit vivre, survivre, envers et contre tout. C'est indispensable, c'est vital pour la population qui vit sur place. Et puis, si je puis dire, c'est aussi important de dire que l'amitié est universelle. Je ne vois pas en quoi des liens d'amitié peuvent mettre en péril, comme ça a été évoqué tout à l'heure, les négociations pour un processus de paix au sein du groupe de Minsk. Voilà. Il m'appartient de ne pas empiéter au niveau diplomatique. Par contre, je serai le porte-voix, dès que l'occasion se présentera, et elle s'est déjà présentée, pour revendiquer haut et fort ces liens d'amitié et faire en sorte qu'ils soient maintenus et qu'ils soient renforcés à l'avenir. Merci Daniel Kazarian. Nous sommes sûrs de votre soutien et qui a été maintes fois exprimé. Merci encore pour ce déplacement et je suis sûr que nous allons nous revoir très rapidement. Au plaisir, bonne journée à vous tous. Au revoir. Merci. Alors, Ovanès Kevorkian, parmi les députés qui étaient également présents, une forte représentation de la région sud et de Marseille. Et nous avons en ligne maintenant la députée des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer. Elle aussi une fidèle de soutien de la cause arménienne à tous les niveaux, mais qui était de ce déplacement en Artsakh. Valérie Boyer, bonjour. Bonjour. Alors, de votre côté, quels enseignements retirez-vous de cette visite en Artsakh ? Écoutez, comme le disait ma collègue Daniel Kazarian, effectivement, c'est un voyage particulièrement émouvant. Moi, je crois que ça fait plusieurs fois que je me rends en Artsakh et j'ai pu voir une certaine évolution. Néanmoins, je vais aller droit au but sur les questions fondamentales qui me préoccupent et qui doivent nous préoccuper, à savoir l'annulation de ces chartes d'amitié que je trouve être un signal très mauvais, très choquant, d'ailleurs qui peinait énormément les interlocuteurs que nous avions, même s'ils nous ont dit les choses de façon extrêmement agréable, amicale, affectueuse et polie. L'amitié, ça ne fait de mal à personne et j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment on peut céder en France à la diplomatie de la menace, telle que la pratique l'Azerbaïdjan aujourd'hui et par ricochet la Turquie. Vous savez, mardi, s'est produit un événement qui n'a pas beaucoup eu de retentissement dans la presse à Paris, où nous avons assisté à la Ligue islamique mondiale qui a fait une grande manifestation pour nous expliquer ce qu'était la paix et l'amitié entre les peuples. Et à sa tête, nous avions l'ancien ministre de la Justice, qui est à la tête de la Ligue islamique mondiale, qui a à son actif directement plus de 500 condamnations à mort. Comment peut-on aujourd'hui tolérer qu'en France, sur notre sol, la puissance invitante soit l'Arabie Saoudite, avec tout ce qu'elle génère de malheurs, de guerres, à la tête de la pire crise humanitaire du monde, et parallèlement, envoyer des signaux très douloureux aux gens de l'Artsakh. Parce que ce qui m'a frappé dans ce voyage, c'est la façon dont la logique génocidaire se poursuit. C'est-à-dire la négation totale de ses habitants, de leur lieu de résidence. Vous savez, quand vous êtes là-bas, vous prenez une photo, vous avez sur votre téléphone Google Azerbaïdjan, alors que nous sommes au Karabakh. Quand nous nous sommes rendus quasiment à la frontière azérie pour visiter un vignoble, avec une dégustation, des gens qui ont du courage, de l'allant, du talent, qui investissent pour faire en sorte que les vins du Karabakh puissent de nouveau rayonner comme ils le faisaient par le passé, notamment pendant la période soviétique, et qui n'ont même pas le droit de mettre leur terroir, ils n'ont même pas le droit de mettre là où ils mettent leurs pieds, là où ils sont enracinés, le nom même de Artsakh au Karabakh, dire que c'est fait par ces gens de ce pays est interdit.
Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut avoir à la fois le courage de ses opinions, de ses engagements, et la France est le pays des droits de l'homme, comme on a le coutume de le dire, qui a inventé la notion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ben, je pense qu'aujourd'hui, elle devrait s'en inspirer et s'obliger à avoir du courage politique et à dire que maintenant, plus de 20 ans après la fin de la guerre du Karabakh, ça suffit. Il est temps de faire en sorte que ce petit peuple, qui avec courage, abnégation et beaucoup de souffrance, n'a pas à subir cet isolement, n'a pas à être au cœur d'un conflit ethnique oublié. Il y a plein de conflits ethniques dans le monde, mais celui-ci, il est totalement oublié. Et quand vous dites que vous revenez d'un voyage au Karabakh, les gens ont l'impression de se retrouver dans Tintin ou dans une, dans un roman d'aventure, mais pas dans la réalité. Et pourtant, la réalité, c'est 150 000 personnes qui peuvent pas obtenir un visa en mettant qu'ils habitent à Stepanakert. Voilà la réalité. Ce sont des jeunes qui n'arrivent pas à se former parce qu'ils peuvent pas échanger avec d'autres jeunes, d'autres filles, à qui on dénie le droit non seulement de circuler, mais d'exister. Et ça, dans ce voyage-là, ça m'a semblé totalement intolérable. Est-ce que justement, sur ces histoires de visa, vous pensez que la France et l'ambassade de France, qui représente en Arménie, devraient être plus souples dans l'attribution des visas, puisque, on le sait, elles freinent des cas de fer pour permettre aux Artsakhiotes et même aux élus et aux représentants du pays de se déplacer totalement à l'étranger? Oui. Mais s'il n'y avait que ça, vous savez, je pense que, si je peux me permettre, il y a tout à revoir. Il y a d'abord, concernant la France et l'Arménie et la France et le Haut-Karabakh, revoir toute la logique de l'aide au développement. C'est plus tolérable, la façon dont ça se passe, dans l'opacité totale et avec des projets qui ne correspondent pas forcément aux attentes des Arméniens, que ce soit des Arméniens d'Arménie ou du Haut-Karabakh. C'est plus que des grandes déclarations d'amitié, ce sont des chaises, vous savez, comme ce qu'on dit dans l'amour. L'amour, c'est bien, mais les preuves d'amour, c'est mieux. Ben, je pense qu'il faut donner des choses concrètement. Un plan pour aider l'Arménie, un plan pour aider le Haut-Karabakh, et surtout arrêter cette hypocrisie avec ce petit pays. Je pense qu'il faut, il est urgent de les aider. Il faut les aider à se développer, il faut les aider... avoir une vraie politique nataliste, une vraie politique familiale, il faut les aider à pouvoir faire du commerce. Bref, il faut les aider à vivre. Valérie Boyer, j'ai Ovanès Kevorkian qui vous accompagne en Artsar, qui est sur le plateau, et il avait une question à vous poser. Valérie, oui, bonjour. Merci infiniment de votre témoignage. Moi, je ne suis pas diplomate, donc je dis les choses telles que je les pense et je les ressens. Absolument. De votre témoignage, je constate avec beaucoup de satisfaction qu'en fait, ces voyages sont importants. Puisqu'il déjoue une propagande malveillante qui voudrait faire croire que l'Artsakh est un champ de ruines, un terrain de guerre. Et quand on visite le Haut-Karabakh, et vos témoignages, comme les témoignages précédents, démontrent que vous avez découvert une autre réalité, celle d'une société entreprenante, pleine de projets, d'optimisme. Et donc, je constate que vous devenez tous des ambassadeurs de la vérité face à ce mensonge organisé. Et sur ce plan, je voudrais simplement vous formuler une demande à ce que le cercle d'amitié continue à organiser ses voyages, parce que c'est par ces voyages aussi que on apprend ce qui se passe au Karabakh réellement, et pas les préjugés qu'on peut nous inculquer les uns et les autres. Donc ma demande, est-ce que j'aimerais beaucoup que vous restiez à nos côtés, donc pour organiser ces voyages dans l'avenir aussi. Bah écoutez, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'avoir pu faire cette découverte. Moi, je n'ai aucune origine arménienne, et quand j'étais petite, je ne crois pas même savoir où était l'Arménie ni ce que c'était. Mais c'est vrai que la vie publique offre des opportunités extraordinaires, et notamment celle des rencontres.
j'allais dire, qui ne sont pas possibles ni même probables dans la vie dite ordinaire. Et grâce à cet engagement public, eh bien, j'ai pu découvrir la cause arménienne, bien sûr, et le Haut-Karabakh. Mais ces voyages sont indispensables parce que ce qui nous taraude, ce qui me motive, moi, c'est que ce qui se passe au Haut-Karabakh, eh bien, c'est une cause universelle. Ça concerne, là, effectivement, ce conflit totalement oublié de la communauté internationale, volontairement, d'ailleurs, je le crois. C'est quand même, le fondement des droits humains dont il s'agit. Et là, nous avons effectivement un petit pays courageux qui se sacrifie, qui vit la tête haute, qui fait en sorte de conserver sa culture, mais d'être tourné vers les autres. Quand on est allé au centre Chimie, c'est vrai que c'était beau de voir ces jeunes qui, grâce aux réseaux sociaux et à Internet, pouvaient communiquer avec le monde entier et se former comme dans n'importe quel autre bout de la planète. Mais ce que je trouve émouvant, fort, et qui est une belle leçon, c'est ce que ce peuple fait pour se battre, pour conserver son identité envers et contre tout. Et ça, je trouve que c'est une leçon universelle. Et cette leçon-là, eh bien, c'est important à la fois de la connaître effectivement en se rendant sur place, parce qu'il n'y a aucun courage à se rendre au Haut-Karabakh. Ceux qui ont du courage, ce sont les gens qui y vivent. Ce n'est pas nous qui avons passé trois jours à faire des rencontres avec des gens agréables, cultivés, francophones, francophiles. Mais ce sont les personnes qui, envers et contre tout, et malgré la menace que font peser leurs voisins, restent pour cultiver leur terre dans tout ce que le mot culture peut contenir de sens. Donc, effectivement, je pense que c'est bien De pouvoir témoigner de notre soutien à ces gens-là. Et je peux vous assurer que ça n'a rien de dangereux d'aller au Haut-Karabakh. Au contraire, c'est un bonheur. Valérie Boyer, merci. Je sais que donc vous organisez encore aujourd'hui, ce week-end, avec Julien Ravier, le maire du 11-12, les journées de l'Arménie et les journées de la culture arménienne dans votre circonscription. On l'a vu dans France Arménie. La météo nous oblige à reporter le pique-nique en plein air, mais ce sera le samedi prochain, samedi 28. Donc j'espère que la terre aura cessé et que d'autres personnes pourront venir. Et je crois que beaucoup de monde va vous parler de l'Alsace et de ce voyage. Mais j'organiserai une conférence fin novembre, au moment du phonéton, probablement avec mes collègues, pour avoir un retour sur l'Alsace et puis pour montrer notamment aux Marseillais ce qui s'y passe, avec des photos, et peut-être que Ovanès pourra se joindre à nous, et peut-être d'autres collègues de la délégation. Mais je suis en train de monter ça, parce que je pense qu'il faut vraiment s'y atteler, profondément, en remettant les choses dans une perspective historique et diplomatique, pour voir concrètement aujourd'hui comment on peut faire annuler des chartes d'amitié. Je suis navrée de le dire à cette antenne, mais c'est pas acceptable. Et donc, si on ne montre pas et si on ne manifeste pas, fournie sur le plan documentaire, etc., ben, je pense qu'on ne pourra pas faire progresser les choses. Et c'est la raison pour laquelle, fin novembre, j'organiserai une conférence à Marseille sur ce voyage. Merci beaucoup, Valérie Boyer. Merci encore. Bonne continuation. Dans ce voyage, il n'y avait pas que des députés. Il y avait également un sénateur. En l'occurrence, le sénateur du Parti communiste des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias. Pierre Ouzoulias, bonjour. Bonjour. Alors, vous, c'était la première fois que vous alliez en Artsakh. Tout à fait. Je ne sais pas si vous aviez déjà été en Arménie. Ah oui. D'accord. J'ai des relations longues et anciennes avec l'Arménie. Alors, pour vous, quel a été un peu votre premier sentiment, vos premiers moments forts de cette visite en Artsakh?
Moi, j'y suis allé pour comprendre, rencontrer les gens, discuter avec avec les citoyens, les citoyennes de l'Artsar. Et ma surprise, c'est de m'apercevoir que j'étais face à une république démocratique qui s'est donné des institutions tout à fait démocratiques. Nous sommes arrivés au moment des élections municipales qui s'étaient très bien déroulées avec une opposition aux anciennes mairies. Et donc, un territoire, mes filles m'ont dit, tu te rends compte, papa, tu vas dans un endroit, t'es même pas sur Google. Voilà, quand vous regardez sur Google Maps, il n'y a pas l'Artsar. Et donc, arriver dans un pays démocratique, c'est évidemment une grande surprise, parce que vu de l'extérieur, on s'attend plutôt à un état de guerre avec des militaires partout. Et non, pas du tout. Il y a un État qui essaye de vivre, et encore une fois, qui essaye de vivre en respectant des règles démocratiques. Alors, Vous avez interpellé le gouvernement français à plusieurs reprises au Sénat sur l'annulation de ces chartes d'amitié entre les villes françaises et l'Artsar. Pourquoi, selon vous, en fonction de la réponse que vous a apporté le gouvernement, pourquoi le gouvernement français s'évertue-t-il à vouloir empêcher l'amitié entre les Français et les Artsariotes? Moi, j'ai pas compris la réponse du gouvernement. J'ai interpellé Monsieur Castaner au Sénat, qui m'a dit que lui-même n'avait pas d'opinion. Et qui demandait à la justice finalement de dire le droit en fonction de chartes dont on sait pertinemment que c'est le ministère de l'Intérieur qui a demandé au préfet de les déférer devant la juridiction administrative. Donc là, il y a une forme d'hypocrisie que je ne comprends pas, parce que en rien ces chartes d'amitié engagent la diplomatie française. C'est simplement une relation de peuple à peuple. Vous savez, moi, je suis l'élu de Bagneux. Bagneux, quand ils ont passé une charte d'amitié avec Van Hatzor, il y a 50 ans, ils n'ont pas demandé l'autorisation à la préfecture, au gouvernement. Ils ont été animés par la volonté d'unir les peuples pour porter la paix partout. Donc je ne comprends pas du tout, et toujours pas, en quoi ça peut gêner la diplomatie française que de signer ces chartes. J'ai le sentiment que l'objectif du gouvernement était de donner des gages à l'Azerbaïdjan et de montrer que dans la gestion de ce conflit, la position de la France était équilibrée. Donc on donne un peu d'un côté, puis après on donne un peu de l'autre, c'est tout. Mais c'est pas comme ça qu'on fait une diplomatie. Alors je crois que Mourad Papazian souhaitait vous parler un peu de l'avenir, justement, de l'action à mener par rapport aux positions du gouvernement français. Merci d'abord, Pierre Ouzoudias, pour votre mobilisation sur ce combat. Nous avons eu, au cours du dîner du CCAF, une espèce de dialogue avec le président de la République sur la question des chartes d'amitié et du principe de l'égalité, qui, selon lui, serait bafoué et, selon nous, serait respecté, puisque ces chartes d'amitié n'ont pas de portée juridique et il n'y a pas d'investissement public, en fait, à cette occasion-là. Et nous, il nous semble particulièrement scandaleux, et nous n'allons pas lâcher sur cette question jamais. Deux points nous semblent scandaleux. La première, c'est effectivement que on puisse traîner l'amitié en justice. C'est inadmissible. Les peuples ont le droit d'avoir des relations les uns avec les autres. Les Arméniens d'Artsar existent. Démocratiquement, ils ont refusé de rester sous le joug de l'Azerbaïdjan qui les avait massacrés. Et donc, on ne peut pas obliger un peuple à rester sous le joug d'un État qui les massacre, qui organise des exactions et qui met en place une politique ségrégationniste. De manière démocratique, ils ont décidé leur autodétermination et la France doit respecter effectivement la volonté démocratique des peuples. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, que la France défère au tribunal administratif des maires français, en fait, qui se sont manifestés pour l'expression de l'amitié. Donc nous sommes particulièrement mobilisés sur ce point-là. Nous ne lâcherons jamais. Nous allons continuer le combat dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Et ça sera effectivement une des priorités majeures des Français d'origine arménienne,
que nous porterons également au cours de tous les scrutins électifs, parce que on a la chance d'avoir en France une terre d'élection, une terre démocratique, et où l'opinion, où la population en fait peut s'exprimer régulièrement. Voilà, donc j'espère que vous serez avec nous sur le long terme, parce que ça va être un vrai combat que nous allons mener. Bien sûr. Moi, je voulais ajouter un petit point, c'est que j'ai saisi aussi à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur sur le fait que certaines réunions organisées se finissent parfois par des conférences qui visent à nier le génocide. Et là, je demandais à ce que le ministre de l'Intérieur intervienne, parce que le génocide arménien, il a été reconnu par le Parlement. J'ai pas eu de réponse non plus. Donc, y a un problème vis-à-vis de l'Arménie, de ce gouvernement. J'aimerais comprendre les raisons de ce problème. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on laisse des négationnistes du génocide arménien. Il faut les traiter comme on traite les négationnistes de la Shoah. On ne peut pas oublier cet événement majeur. Et on a un devoir absolu de mémoire, au moins par dignité pour ceux qui sont tombés et ceux qui sont partis, qui ont fui le génocide et qui se sont battus à nos côtés pendant la résistance. Pierre Ouzoulias, merci encore. Donc on l'a compris, c'est un combat de longue haleine sur plusieurs fronts que vous menez. Merci encore de votre action au Sénat, au sein du groupe d'amitié France-Arménie et donc au sein du cercle d'amitié France-Artsar. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Alors, dans ce déplacement, il y avait également une perception des questions économiques. Donc on a parlé tout à l'heure de l'école professionnelle Yezdeg Mosian, mais vous avez visité aussi un certain nombre d'entreprises dans le domaine de l'agriculture ou dans d'autres domaines. Est-ce que l'Artsakh aujourd'hui, sur les questions économiques, progresse, reprend de plus en plus son indépendance économique, Ovan Eskevorkian? Oui, c'est le cas, bien sûr, ajoute, d'une année à l'autre. Naturellement, les parlementaires que vous avez interviewés ont parlé de la viticulture qui se développe, l'énergie propre, donc que nous produisons avec les torrents que nous avons, parce que le Haut-Karabakh, justement, c'est un pays des montagnes, il s'appelle le Haut-Karabakh, et ce qui nous permet aussi non seulement d'être autosuffisants, mais d'exporter vers l'Arménie, comme ça a été dit. L'agriculture commence à devenir, au niveau des produits agricoles, nous commençons à devenir autosuffisants. Donc tout cela nous donne un grand espoir que le Haut-Karabakh, sur un plan économique, a un avenir. D'une année à l'autre, le Karabakh devient moins dépendant des subventions que l'Arménie, la République d'Arménie nous accorde depuis notre indépendance. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif, naturellement. Alors, parmi les députés présents, il y a quelqu'un qui s'investit beaucoup dans les questions économiques en France. C'est le député Guillaume Kasparian. Guillaume Kasparian, bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez parfaitement l'Arménie, mais c'était, je crois, pour vous, la première fois que vous vous rendiez en Artsakh en tant que député? Tout à fait, c'était une grande première, tout court, pour l'Artsakh, puisque c'était la première fois que je m'y rendais. Alors, et c'était un réel bonheur d'y être. Très honnêtement, on a passé un séjour extraordinaire. Vos deux collègues, Daniel Kasparian et Valérie Boyer, ont évoqué la charge émotionnelle qui a pu les saisir lors de ces placements. Pour vous, quel a été le moment le plus émotionnellement fort au contact de cette population? Je pense que tous les moments que nous avons vécus pendant cette semaine exceptionnelle étaient très émouvants. Ils nous prenaient vraiment au cœur. D'une part, effectivement, parce que je suis, comme d'autres, Français d'origine arménienne, mais aussi parce que je suis un Français attaché à la liberté. Liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, liberté des peuples à vivre leur foi et leur religion comme ils l'entendent, liberté des peuples à vivre non pas enchaînés, mais libres. Et cette liberté-là, on l'a ressentie dans chacun de nos échanges. On l'a ressentie du monastère d'Adivank qu'on a visité, avec ce prêtre qui nous avait expliqué qu'il avait tout fait pour préserver le patrimoine exceptionnel du monastère, jusqu'au rendez-vous avec les jeunes qu'on a rencontrés à Toumo, qui se forment aux nouvelles technologies et qui étaient avides de connaissances et avides aussi de liberté. Moi, ce que je retiens, c'est toutes ces séquences-là où on a vu des personnes au grand cœur, qui étaient toutes attachées à leur liberté, à la connaissance, à la science,
et au développement. Et c'était quelque chose qui était particulièrement émouvant. Vous savez, à un moment, j'avais discuté des difficultés lors d'un entretien, et Ovanès s'en rappelle sans doute, en disant c'est quand même pas facile leur situation. Elle est quand même compliquée. C'est un pays en guerre, il y a le service militaire, les choses sont difficiles. Et un des conseillers du président m'avait répondu, nous ne sommes pas des victimes. Et nous ne serons jamais des victimes. Et ça m'a rappelé un petit peu ce que moi, dans ma famille, on me disait quand j'étais petit. C'est-à-dire que on n'a pas cette sensation d'être victime. On a cette charge et cette responsabilité individuelle de faire et de se développer sans attendre des autres. Et en se disant à chaque fois qu'on est libre de le faire et qu'on doit le faire. Et je trouve que voilà, ça a été une charge émotionnelle qui était très importante. Et j'étais particulièrement heureux d'être présent à vos côtés pendant cette semaine en Artsakh. Alors, je l'ai dit, vous êtes en France et au sein de l'Assemblée nationale un spécialiste des questions économiques. Qu'avez-vous retenu des potentialités de développement économique de l'Artsakh? Et question subsidiaire, comment la France peut-elle aider l'Artsakh dans ce développement? Alors, Ovanès l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une question autour de l'agriculture qui est en train de se développer fortement, notamment de la viticulture. On est allé visiter un domaine viticole qui s'est développé pas très loin de la frontière et qui montre que il y a un vrai développement avec une vraie qualité de production, aussi bien sur les rouges, les blancs, les rosés, sur lesquels il y a un vrai développement agricole possible. Vous avez peut-être parlé à Monsieur Cubert Taffon, mon collègue, qui lui est sur la partie plus élevage et sur lesquels, là encore, il y a sans doute des partenariats et des coopérations économiques à créer avec des acteurs privés. Je sens aussi qu'il y a une appétence très forte pour les nouvelles technologies. On a visité le centre Toumo et on sent qu'il y a une vraie attractivité par rapport à la science, aux chiffres et à tout ce qui touche aux nouvelles technologies, et une jeunesse qui est avide de travailler dans ce dossier, dans ce sujet-là, de développer des applications, de se mettre au digital et de révolutionner un petit peu sur le plan digital et numérique le pays. Puis Ovanès l'a cité tout à l'heure, il y a des ressources en Artsakh. Vous avez des ressources patrimoniales qui fait que ça peut être un pays qui est fort en termes de tourisme, parce qu'il y a des choses magnifiques à voir, des paysages extraordinaires, un patrimoine exceptionnel. Et puis vous avez des ressources aussi de l'eau, qui permet aussi de faire travailler éventuellement sur l'hydroélectricité pas mal de monde. Donc des secteurs en développement pour une petite population au sens numérique, mais avec de grands potentiels qui peuvent intéresser bien évidemment des acteurs français qui souhaitent se développer. Je pense qu'il n'y a pas de petits pays, il y a des opportunités économiques que certains opérateurs français seraient bien inspirés de se saisir pour se développer et co-construire avec l'Artsakh. Mais est-ce que vous seriez favorable, comme le fait aux États-Unis, que le font les États-Unis, d'une aide directe de la France à l'Artsakh, qui chaque année dans son budget vote une aide au développement, alors que la France considère qu'il s'agirait là d'une forme de reconnaissance d'un pays et s'y refuse. Alors pas simplement ce gouvernement-là, puisque c'est depuis l'origine. Moi, je vais vous répondre sous un angle économique, parce que vous m'interrogez d'une part sur cette question, mais surtout parce que je fais souvent la même réponse, quel que soit le pays, sur ces sujets-là. Je crois beaucoup plus aux investissements étrangers, d'acteurs et d'opérateurs privés qui décident d'aller dans un pays, de répondre à des appels d'offres, d'exporter dans ces pays-là ou d'importer de ces pays-là, qu'à des mécanismes de subvention et d'aide publique qui, je le rappelle, sont payés par l'impôt des Français. Et ma réponse est absolument la même, quel que soit le pays. Donc ce n'est pas une question de reconnaissance ou pas de reconnaissance ou de politique, c'est que je pense personnellement qu'en termes de développement, on a passé un certain cap et que l'investissement privé est sans doute, dans beaucoup de cas, plus efficace que des mécanismes de subvention et d'aide publique versés à des autorités publiques. Et encore une fois, la réponse, je la ferai exactement de la même façon, quel que soit le pays. D'ailleurs, on a eu un entretien assez intéressant avec l'ambassadeur de France à Yerevan sur ces sujets-là, en disant que, en Arménie, je parle pas de l'Artsakh, mais en Arménie, l'enjeu actuel était de développer des investissements français là-bas, plus que de s'interroger sur les mécanismes d'aide et de subvention que l'on pourrait distribuer. Et je suis à peu près sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que les Américains ont aussi des opérateurs privés qui y vont et qui investissent massivement là-bas. Donc, moi je suis assez réservé sur les mécanismes d'aide et de subvention, sur leur efficacité économique. Et puis encore une fois, je le dis, comme le conseiller du président nous l'avait même dit, nous ne sommes pas des victimes. Nous avons besoin d'activités économiques, nous avons besoin de partenariats, nous avons besoin de coopération, mais je suis pas certain que le peuple d'Artsakh, et plus largement le peuple d'Arménie, et plus généralement les pays qui sont en voie de développement, soient en train forcément d'attendre de nous des subventions et des aides publiques. Ils attendent qu'on travaille ensemble, d'égal à égal, dans une logique d'investissement et de façon totalement
de façon totalement autonome. Donc je crois plus à ces mécanismes-là, et je pense que c'est ceux-là qui permettent de développer réellement les pays. Écoutez, oui, très bien, à condition que la France ne décourage pas justement les investisseurs à se rendre en Alsace. Vous avez totalement raison, c'est-à-dire que la condition, effectivement, c'est de permettre effectivement à des opérateurs français qui le souhaiteraient, éventuellement, d'aller investir là-bas. Et là, effectivement, on rejoint votre question politique. Moi, je suis favorable à ce qu'on n'entrave pas les investissements libres de fonds privés et qui souhaitent aller s'investir là-bas. Tout mécanisme qui viserait à les dissuader, effectivement, est une entrave. Et je pense qu'effectivement, ça n'est pas le sujet. Mais en tout cas, des opérateurs réussissent à investir en Artsakh. On a visité, par exemple, une école professionnelle qui a été financée par, notamment par le Fonds arménien de France. Je pense qu'aujourd'hui, on a des acteurs et des opérateurs qui sont prêts à investir. Et vous avez raison, il faut s'assurer qu'ils puissent le faire sans être entravés ou sans avoir de pression politique. Ce qui est compliqué quand le conseiller économique de l'ambassade de France à Yerevan est en poste à Bakou. Merci oui, encore. Oui, mais en même temps, ce que nous disait l'ambassadeur, c'est qu'aujourd'hui, le périmètre de l'ambassadeur de France en Arménie à Yerevan, c'est l'Arménie, c'est pas l'Artsakh. Ce qui est d'ailleurs aussi un petit peu le discours de monsieur le Premier ministre Pachinian, qui dit « Moi, je représente l'Arménie, je n'ai pas été élu par le peuple d'Artsakh, j'ai été élu par les Arméniens. » Donc, je ne peux pas en vouloir à l'ambassadeur de France en Arménie, bien au contraire, de s'occuper des affaires arméniennes. C'est ce pourquoi il est nommé là-bas. En revanche, vous avez un mécanisme, effectivement, après, qui peut poser question, qui est autour de l'AFD, l'Agence France de Développement, dont, je crois, le bureau régional est basé à Istanbul, et dont certains investissements peuvent, effectivement, poser question. Mais c'est un autre sujet, et c'est un sujet un petit peu différent. Je voilà. pense qu'on aura l'occasion, peut-être, de faire une émission économique sur le développement et l'aide au développement. Vous êtes un acteur et passionné de ces questions-là, donc nous allons sans doute remonter une question, une émission là-dessus. Moulad Papazian voulait vous parler, avait une petite question à vous. Bonjour Moulad. Salut Guillaume, merci en tout cas, et on est ravis que vous ayez pu participer à ce très joli voyage. Il est important pour nous que, sur le plan économique, vous puissiez en fait vous exprimer après ce voyage en Artsakh pour effectivement rappeler les opportunités d'investissement possibles et les atouts que pourrait présenter l'Artsakh pour un certain nombre d'entreprises. Encore faut-il effectivement que les entreprises vont être assez sensibilisées sur les garanties de paix qui pourront être données pour ne pas que leur investissement soit mis en danger. Et c'est là où il est important également que la France joue véritablement son rôle d'acteur neutre dans ce conflit du Haut-Karabakh en tant que coprésident du groupe de Minsk. Tu étais au dîner du CCF lorsque j'ai interpellé le président de la République française politiquement sur la perte de neutralité progressive de la France dans ce conflit qui défère devant les tribunaux administratifs en fait les maires qui signent des chartes d'amitié avec des maires du Haut-Karabakh, et deuxièmement le fait que la France ait vendu des armes à l'Azerbaïdjan. J'attends pas de réponse de ta part sur ces questions-là, mais je veux dire par là que des investisseurs seront sensibilisés si la France leur donne un peu plus de garantie de paix et si la France joue un vrai rôle de neutralité effectivement dans ce conflit-là. Tout à fait. Je pense qu'il y a plus sur la partie économique, il y a un enjeu à montrer aux investisseurs français qu'il y a un intérêt à y aller. Il y a un enjeu aussi de culture. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple de la vigne, moi je souhaiterais que des vignerons français, des œnologues, des spécialistes de la viticulture, aillent conseiller le peuple d'Artsakh sur ces sujets-là. Parce que si on le fait pas, qui va le faire? Ce seront sans doute des vignerons venus des États-Unis ou éventuellement d'Afrique du Sud ou d'ailleurs, qui le feront. Ce que je veux dire par là, c'est que l'investissement français permet aussi de véhiculer une culture française et une façon de faire, un savoir-faire français à l'étranger, et que c'est important de le faire. Je note le point sur les garanties de paiement, c'est un très bon sujet, et effectivement il faut s'en assurer. Après, sur les chartes d'amitié, j'imagine que vous en avez discuté très longuement, et je ne vais pas redire forcément tout ce qui a été dit par mes collègues. Moi, juste mon point quand même, c'est même s'il peut y avoir débat sur pourquoi est-ce que les préfectures et le gouvernement saisissent l'autorité judiciaire pour dénoncer les chartes d'amitié, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, c'est bien l'autorité judiciaire qui met fin à ces chartes d'amitié. C'est donc une décision de justice. Alors, je peux avoir une opinion personnelle sur le sujet, bien évidemment, mais en tant que parlementaire et député, il ne m'appartient pas de commenter une décision de justice, puisque dans notre pays, la justice est indépendante. Néanmoins, je pense qu'il peut y avoir des moyens de coopérer et de faire de l'échange et de l'amitié
à travers d'autres modes que les chartes d'amitié. On y a réfléchi avec les autorités locales d'Artsakh, on y a réfléchi ensemble. Je pense que là, aujourd'hui, le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive, malgré cette situation judiciaire en France, à réussir à recréer des liens à travers d'autres types de partenariats associatifs, culturels, etc., sur lesquels, juridiquement, ce serait incontestable. Donc il faut qu'on y réfléchisse, il faut que les parlementaires éventuellement évaluent la loi et se dire est-ce que la loi n'est pas bien faite, mais en tout cas, aujourd'hui, j'aurais du mal à reprocher à un juge de prendre une décision libre et indépendante par rapport à une loi qui, semble-t-il, est donc mal faite sur le sujet. En fait, donc travaillons ensemble à résoudre le sujet. Et encore une fois, soyons vigilants aux décisions de justice qui peuvent arriver à l'avenir. Non, le reproche n'est pas fait au juge, le reproche est fait au préfet. Au préfet qui représente le gouvernement et qui eux-mêmes demandent que les juges soient, les maires soient traduits devant les tribunaux administratifs, c'est différent. C'est-à-dire oui, qu'à un moment donné, le gouvernement n'est pas obligé d'aller si loin, en fait, dans sa position. C'est vrai, tout à fait. Donc ça, c'est un débat politique et j'entends très bien la question. Je rappellerai juste néanmoins qu'il arrive assez régulièrement que des préfets dénoncent des décrets et des décisions de certains maires devant les tribunaux. En ce moment, en France, on a un débat sur les pesticides aux alentours des maisons, avec un certain nombre de maires qui ont pris des arrêtés pour interdire les pesticides à partir de X mètres autour des habitations. L'État et donc les préfets dénoncent ces arrêtés qui vont ensuite aux tribunaux et qui, dans ce cas-là aussi, sont dénoncés par les tribunaux. Il n'y a pas L'État ne dénonce pas exclusivement les décisions qui relèvent les chartes d'amitié. Il arrive dans les relations entre les préfets et les maires qu'un certain nombre d'arrêtés soient dénoncés. Et ensuite, c'est la justice qui tranche. Après, on peut débattre sur l'opportunité de saisir ou pas. Et surtout, on peut débattre de est-ce que la loi est bien faite ou pas. Et est-ce qu'il faudrait éventuellement la changer sur ce sujet. On va avoir un débat sur les collectivités locales qui arrive dans quelques mois, dans quelques semaines d'ailleurs, sur un projet de loi qui s'appelle « Engagement et proximité ». C'est peut-être l'occasion de poser la question des chartes d'amitié et de poser la question des compétences des communes sur le sujet et de remettre ce débat au goût du jour. En tout cas, je pense que c'est une décision aujourd'hui judiciaire et qu'elle amène peut-être une réaction des parlementaires sur le sujet. Merci, merci encore Guillaume Kasparian. Merci à vous. À vous revoir très bientôt. À très bientôt. Merci de votre accueil. À très bientôt. Guillaume. Alors, Ovanes Kevorkian, voilà, les parlementaires qui ont été membres de cette délégation, nous n'avons pas pu avoir Mohamed Lakhila et Jean-Pierre Cubert-Tafon, mais je pense qu'on a eu un panel assez intéressant dans sa diversité. Alors, j'allais un peu vous dire, la suite maintenant, c'est quoi ? Va-t-il y avoir encore d'autres délégations ? Vous comptez encourager encore d'autres parlementaires à se rendre en Artsakh ? Oui, et nous allons le faire avec le CCAF. Nous allons encourager des parlementaires. D'ailleurs, vous avez remarqué que la délégation conduite par le président du cercle France Artsakh rassemblait des parlementaires de tous bords, y compris de la majorité présidentielle. Mmh. Et c'est quelque chose d'extrêmement important à mes yeux, parce que l'Artsakh, comme toute cause juste, transcende ces fractures politiques. Et une fois encore, c'est important que les parlementaires d'un pays comme la France qui a un très grand engagement dans le règlement de ce conflit, puissent voir, avoir leur idée, leur propre idée, simplement connaître la situation, parce que un grand sujet où la France, l'État français est engagé, les différentes composantes de la société française aussi, y compris les parlementaires, mais aussi les journalistes, mais aussi des experts de la question, puissent avoir ces informations, non seulement en Arménie, non seulement en Azerbaïdjan, mais aussi en visitant le Haut-Karabakh. Moulad Papazian, vous organisez très bientôt, la FRAT Artsakh Sutun organise un forum pour l'Artsakh. L'année dernière, il y en avait eu, c'était le premier. Il rassemblait l'ensemble des forces politiques d'Arménie autour de la thématique de l'Artsakh. Et donc cette année, la thématique est en fait les amis de l'Artsakh à travers le monde. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Avec la République du Haut-Karabakh, donc la FRAT Artsakh Sutun sur le plan mondial, organise ce forum Artsakh en faisant venir des personnalités politiques du monde entier à Stepanakert du 10 au 15 octobre prochain, justement pour intensifier cette
internationalisation de la cause de l'Artsakh et petit à petit que l'Artsakh soit reconnu, que les villes soient reconnues, que les régions soient reconnues, que l'État soit reconnu et en fait que l'Artsakh soit reconnu comme étant faisant partie intégrante de l'Arménie en réalité. Parce que le Premier ministre Nikol Pachinian dit en même temps qu'en tant que Premier ministre d'Arménie, il n'a pas la légitimité de conduire les négociations de paix, mais en même temps, à Stepanakert, au mois d'août, vous l'avez rappelé, il a dit « l'Artsakh, c'est l'Arménie ». Donc on va dans le bon sens. Je crois que tous les efforts qui sont entrepris par tous ceux qui travaillent pour le bien de l'Artsakh, du peuple de l'Artsakh, de l'indépendance et de la réunification à l'Arménie, en fait, désavoue totalement la politique de l'Azerbaïdjan. Totalement, l'Azerbaïdjan, publiquement, dans l'opinion, est totalement désavoué. Et il faut poursuivre ce combat dans l'Union. Et c'est la raison pour laquelle la FRATH Naksutyun et les autorités de l'Artsakh sont très unies dans ce combat de défense internationale de la cause de l'Artsakh. Ça sera une étape de plus, en fait, du 10 au 15 octobre à Stepanakert, et nous allons continuer le combat parce que, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, pour le Tash Tangsutun, mais pour tout le peuple arménien en réalité, pour toutes les organisations arméniennes, et pour le Radabar et pour l'Arménie, l'Artsakh est une priorité parce qu'il s'agit de vie ou de mort pour un peuple, et parce que la sécurité de l'Artsakh et l'indépendance, le caractère arménien de l'Artsakh, en fait, est absolument vital pour l'Arménie. Il y avait un grand dirigeant du Tash Tangsutyun, Hrail Malouchian, qui disait que l'Artsakh est notre Stalingrad. Si l'Artsakh tombe, l'Arménie peut tomber demain. Donc il est important que nous puissions mobiliser nos moyens, tous nos moyens, en faveur de l'Artsakh. Je crois qu'une délégation importante française va partir à ce forum. Absolument. Je saisis l'occasion pour remercier la FRA de cette belle initiative parce que vous avez entendu à travers ces témoignages, surtout ceux qui étaient partis au Karabakh pour la première fois, il y a une véritable la situation. Il y a des véritables préjugés. Pierre Ouzoulia disait que sa fille était inquiète parce que le Haut Karabakh n'existe même pas sur Google. Donc on imagine le Haut Karabakh vraiment autrement quand on ne le connaît pas. Ici en France, c'est la réalité et c'est dans cette logique qu'il faut encourager le départ et la découverte de ce territoire et de cette société, de ce peuple, parce qu'une fois encore, une fois informé, une fois le territoire découvert, les visiteurs deviennent naturellement les ambassadeurs de la réalité, les ambassadeurs de la vérité. Qu'il me soit permis de dire que le Haut-Karabakh ne tombera jamais. Parce que le processus est en cours. Notre destin, nous avons pris en nos mains. Nous construisons aujourd'hui cet État qui se renforcera d'une année à l'autre avec tous les amis que nous avons partout dans le monde. Et Pro-Artsakh sera là pour renforcer dans cet esprit ses amitiés partout dans le monde, dans les quatre coins de la planète. Alors, le temps nous presse. Une dernière question. Nous devions avoir parlé de la charte d'amitié entre la région de Hadrout et le département de l'Isère, qui a été signée hier matin, vendredi. Nous devions avoir Patrick Curteau, le vice-président du conseil départemental, mais visiblement, il a une autre réunion qui est en cours et il ne peut pas se libérer. Cette semaine, c'est une semaine un peu spéciale, puisque jeudi, nous avions appris l'annulation de la charte de Dessin. Vendredi, cette nouvelle charte était signée. Finalement, le flambeau est repris par d'autres collectivités. Moulad Papazian, vous êtes confiant que d'autres collectivités vont continuer à s'engager pour l'Artsakh? Oui, bien sûr. Le mouvement est en marche. Il y a une véritable tendance. D'autres collectivités, des villes, des départements vont s'engager. Ah. Et nous poursuivons ce combat parce qu'en fait, nous allons dénoncer très très fortement en fait l'attitude du gouvernement français sur la question. Alors, on me dit que Patrick Curteau a réussi à sortir de sa réunion. Bonjour, Monsieur Curteau. Bonjour à vous. C'était une inauguration de musée à Vienne, donc je n'étais pas joignable. Désolé pour le contretemps. Il n'y a pas de souci. Alors, nous disions que ça y est, la charte d'amitié entre le département de l'Isère et la région de Hadrout a été signée. Qu'avez-vous ressenti hier matin au moment justement de la signature et de cette nouvelle amitié qui se crée entre le département de l'Isère, auquel vous êtes très attaché, et la région de Hadrout, en Artsakh?
Alors, c'est une, un travail qu'on a débuté il y a à peu près 2 ans au niveau du département, pour en avoir parlé naturellement avec le président. En fait, tout ceci fait suite à la charte d'amitié que la ville de Vienne avait signée au début de l'année 2014 avec la ville d'Adroute, donc en Arsar. Et donc, quand je suis devenu vice-président, notamment en charge, entre autres, de la coopération donc au département de l'Isère, je me suis dit pourquoi on n'envisagerait pas une coopération également, une coopération, une charte d'amitié avec la région d'Adroute ou une autre région, mais là c'était à Johannes Gevorkian à le décider. Et on a commencé à travailler sur ce sujet il y a à peu près 2 ans. Et petit à petit, ça a été fait. J'avais annoncé, lors de la commémoration du génocide à Grenoble, donc en avril 2018, qu'on était en train de réfléchir à cette charte d'amitié. Le mois d'avril de cette année, j'ai annoncé que la charte d'amitié serait signée dans le cours de l'année 2019. Donc depuis hier, c'est chose faite. Bien. Alors, vous savez que ces chartes d'amitié sont menacées, en tous les cas, par l'Azerbaïdjan qui saisit et qui fait saisir par les préfets la justice. Mais je crois que vous êtes préparé à cette question. Alors, nous sommes préparés. Premièrement, nous sommes préparés, mais faut savoir qu'il y a eu quelques petites tentatives de pression quand même de la part, par le biais d'avocats, je crois, donc auprès du président Barbier. Et de toute façon, nous sommes des gens libres, nous sommes des élus libres, nous sommes un département libre. C'est le département qui est à l'origine un petit peu de la Révolution française, donc en 1789. Donc on ne va pas nous apprendre à marchander sur la liberté. Non, ceci étant, donc on le sait, mais comme la ville de Vienne en 2014, hier nous avons signé une charte d'amitié, mais nous n'avons pas pris de délibération donc au sein de l'Assemblée départementale. Donc c'est un document qui indique que le département de l'Isère a décidé d'être entre guillemets ami avec la région d'Adroute en Artsar. Et c'est à partir de ce postulat donc que le président Barbier a donné son accord, a décidé de signer cette charte il y a plusieurs mois, donc maintenant c'est chose faite. Mais écoutez, Patrick Curteau, merci encore. Félicitations à vous pour tout le travail que vous faites en tant que vice-président du conseil départemental et maire adjoint de Vienne, et à la coopération décentralisée également. L'Isère reprend un flambeau, et en tant qu'Isérois d'origine, j'en suis très fier. D'accord. Allô, des Grenobles. Merci à vous. Alors justement, peut-être le mot de la fin, et pour revenir sur cette journée du 21 septembre, l'avenir est promis aux Arméniens et à l'Artsar. Mourad Papazian. Bien sûr, nous regardons l'avenir avec optimisme. Le 21 septembre est un jour de fête pour tout le peuple arménien, un jour de fête, un jour d'union, un jour d'avenir également. Et il est fêté en Arménie, en Artsakh et dans toute la diaspora. Savourons ce moment dans l'union et la détermination. Ovanes Kevorkian. Absolument, c'est la fête de tous les Arméniens partout dans le monde, en Arménie, en Artsar, dans la diaspora, ce qui symbolise parfaitement notre union. Eh bien, écoutez, merci à vous. Merci à tous les députés qui se sont exprimés, Daniel Kazarian, Guillaume Kasparian, Valérie Boyer, Guy Tessier, Pierre Ouzoulias, Patrick Curteau pour le département de l'Isère. Bien entendu, merci à Asmik Dolmadjan, l'ambassadrice d'Arménie en France, qui nous a donné son mot. Merci à vous, Ovanes Kevorkian. Merci. Mourad Papazian, co-président du CCF et membre du Bureau mondial de la FATA Shoksun. Et puis, pour cette première émission, un grand merci également à Henri Papazian, qui, pendant toute la semaine, a monté l'émission, et à la régie qui a tout travaillé pour préparer cette émission. Merci à vous et à la semaine prochaine. Sur table. Une émission proposée par Hype FM.